Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. C'est totalement gratuit et ça prend 2 secondes. Si tu fais partie de la team Awaris, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et tout simplement mettre un maximum de pouces bleus sous la vidéo, ça me ferait ultra plaisir. Si tu n'es pas au courant, tout simplement j'ai sorti des nouveaux t-shirts, des nouveaux designs pour Noël. Les abonnés, du coup, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un t-shirt Awaris, Carlos, etc. de Noël. N'hésitez pas simplement à aller voir dans la description la boutique Teespring et acheter un petit t-shirt, un pull, surtout vu que là on est en hiver, ça peut vous tenir chaud les abonnés, surtout si vous avez Carlos sur vos t-shirts, simplement ça pourra tenir encore plus chaud. Du coup n'hésitez pas à demander à vos parents. Ah bah regardez, il y a Toto. Salut Toto, comment ça va? Salut Avaris, ça va? Salut Avaris, oui ça va super bien et toi? Bon attends, mais qu'est-ce que t'étais en train de faire dans la cuisine? Dis-moi pas que t'allais chercher la nourriture encore. Tachon, il y a plus rien dans les placards. Ah bon, on fait voir. Frigo, il y a rien, les placards ils sont vides. Ah oui, c'est vrai que t'as raison, il y a rien. Il va falloir faire les courses Toto. Ouais. Au pire, est-ce que tu peux aller les faire, toi? Tout seul. Ah ouais, c'est vrai, punaise, abonné. C'est vrai que Toto, il n'est pas vraiment très responsable, c'est-à-dire que si je l'envoie faire les courses, à mon avis, il va aller jouer avec ses potes au lieu d'aller faire les courses. J'irai faire les courses. Non, je suis pas sûr de lui ramener ce que tu veux. Oui, t'es un menteur, tu vas pas aller faire les courses. Bon, en tout cas, Toto, aujourd'hui, je vais aller faire un truc. Moi, je vais sortir aller voir des amis, etc. Donc, j'ai juste un truc à te dire. Tu sais que c'est bientôt Noël, donc si tu veux un cadeau de Noël que les abonnés te donnent ou un t-shirt de ma boutique, etc., il faut que tu viennes ici, hop, dans le petit salon. Tu t'assois sur le canapé et tu regardes des films de Noël pendant toute la journée, d'accord? Ouais, mais si j'ai la PS5, je fais ça. Non, oui, t'inquiète, t'auras la PS5, promis. Si tu fais ça, je reste là alors. Ok, bon, les abonnés, je pense qu'il en faut très peu pour convaincre Toto de regarder la télé toute la journée. Je lui ai juste dit comme quoi il aurait la PS5 et c'est bon. Moi, du coup, c'est parti. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire. Attendez, je vais sortir de la maison pour pas qu'ils nous entendent. Aujourd'hui, on va tout simplement aller chez Talcado. Le but, ça va être de se transformer en Dark Sirenhead, les abonnés. Donc, voilà, en monstre et tout simplement de faire peur à mes enfants. Luna, je ne sais pas où elle est. Ça se trouve qu'elle sera là, ça se trouve qu'elle sera pas là dans la vidéo. Je sais pas encore où elle est. Je l'ai pas vu de la matinée, les abonnés. Donc, on verra dans la suite de la vidéo si elle est là aujourd'hui. Du coup, alors, est-ce que j'ai ma voiture de disponible? Non, ma voiture n'est plus disponible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez Talcado. Parce que comme ça, au moins, il pourra m'aider à construire la machine. Parce que, apparemment, pour se transformer en Dark Sirenhead, les abonnés, il faut une grosse machine bien puissante. Et tout simplement, il va falloir qu'on aille demander à Rick un petit plan de construction. Ok, on va sonner chez Talcado. Hop, c'est parti, ok. Est-ce qu'il y a Talcado? Qui sonne? Awaris, allô Yorir. Bonjour Awaris. Oh, c'est Talcado, ça va bien mec? Ça va mon ami, bah ça va très bien. Hop, me vaut ta venue, cher Awaris? Alors tout simplement, aujourd'hui je viens ici parce que je sais pas si t'as vu, mais il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se transforment en monstres, etc. J'ai vu, il y a Twinner, Diabolo, etc. Ouais. Du coup je me suis dit, pourquoi pas me transformer le monstre Dark Sirenhead, surtout qu'on l'a tué maintenant. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir le combat entre moi et ma famille. Du coup, enfin Dark Sirenhead et ma famille plutôt. Et du coup, j'ai envie de me transformer en Dark Sirenhead, Talcado. Ouais, t'es bien renseigné. Ouais, je suis bien renseigné, par contre, il faut qu'on aille chez Rick et j'ai pas de voiture. Ah mince, t'as pas de voiture. Est-ce que ma voiture est ici? Est-ce que Gus ne serait pas sorti avec? Attends, oh là là, je vais aller voir ça pour être sûr parce que je... Est-ce que Gus, il a le permis même pour conduire la voiture? Bah en fait, il a pas le permis, mais ça, chut, faut pas le dire. Attends, c'est pas ma voiture ça? Non. Les abonnés, ma voiture est noire, celle de Talcado normalement est censée être rouge. Dites-moi dans les commentaires si ce serait pas ma voiture s'il vous plaît, parce que là ça me paraît bizarre. Bon, en tout cas, c'est parti, en route Simone, on va simplement aller chez chez Rick, monsieur Rick. Bon, du coup, sinon t'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Alors aujourd'hui, on a fait pas grand-chose, j'ai beaucoup glandé, j'ai pas fait grand-chose à vrai dire. T'as fait tes devoirs? Eh oui, j'ai fait mes heures pour que la maîtresse soit contente que j'ai des bonnes notes à l'école et que ma maman aussi. Ah, c'est là, arrête-toi. Hein. Oui, je sais. Ok, c'est parti, vas-y. On va sortir les abonnés. Oula, y'a Rick qui est en train de cracher déjà. Salut Rick. Ah, salut Awaris. Et salut Talcado, non? Ah oui, salut Talcado. Ouais, salut hein, Rick. Hein. T'avais pas vu. Eh, il est 200 de ping, Rick. T'as peut-être un peu trop bu. Bon, comment ça va, Rick? Ah, ça va très bien, et pourquoi tu viens me voir? Oui, direct les questions comme ça, les abonnés, ouais, je suis en train de m'agresser. Tout simplement, Rick, on vient de voir Talcado parce que, tout simplement, j'ai envie de me transformer en Dark Sirenhead. Est-ce que tu aurais pas un plan de machine comme ça, là? Un plan de machine? Ouais, pour se transformer. Je dois voir ça, oui. Ok, les abonnés. Alors, attends, reste ici, j'arrive. Pas de soucis. Tu penses qu'il a une machine, une bonne machine pour se transformer? Bon, bah, de toute façon, Rick, il a tout, t'inquiète pas, hein. C'est vrai que Rick, les gars, il a tout, les abonnés. Donc, on va voir ce qu'il va nous proposer comme plan de machine. Regardez, il y a des tuyaux qui vont du sous-sol. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a sous la maison de Rick. C'est bon, t'as trouvé, Rick? Tiens, voilà, c'est bon, j'ai ça. Alors, bah, au pire, t'as le cadeau. Ah, bah, vas-y, t'as le cadeau, prends-le.
Tiens, tiens. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est plan. Le plan. C'est le plan de la machine. Ouais. Il est pas un architecte assez connu que ce. Ah bah oui, parce qu'en plus, Takado, il fait des grosses études dans l'architecture. Parce que là c'est moi qui dois faire ça, là? Non, toi, tu vas m'aider simplement à aller construire la machine, sauf que toi, tu gardes le plan. Ok, d'accord, ok. Ah oui, j'ai le plan, oui, bien évidemment. À mon avis, c'est comme toutes les machines, tu fais un tube, deux tubes, tu relis les deux et ensuite... Ouais, bah, on va devoir... Ah, ouais, c'est ça. Que, ouais, non, mais... Ok, pas de soucis. Bon, bah, vas-y, Rick, à la prochaine, la facture, comme d'habitude, à Twinner, d'accord? Allez, Twinner. Ok, à Twinner, ok, je retiens. Ça coûte combien, au cas où? Ah, 7500. Ok, 7500, les abonnés, c'est très cher. Hey, t'as le cadeau, attends. Ouais, je me mets dans le sens, t'inquiète. Ok, c'est parti. Mais c'est parti, comme garantie. En route, les abonnés Star Fodra. En route, les abonnés, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire la machine tout simplement à la maison et va se transformer en Dark Siren. T'as le cadeau, je te préviens, j'ai pas prévenu mon fils, justement, vu que le but c'est de le faire peur. Donc, il va falloir éviter de faire trop de bruit, ok? Vas-y, viens. Ok, vas-y. Super, c'est reparti. Ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre dans le jardin s'il y a de la place. Ouais, sinon on se met dans le jardin du voisin. Je pense pas que ça doit être ouf ça, si. Bah, en vrai, vas-y, hein, y a personne, je crois, là, vas-y, go. Je sais pas, pour aller nous abonner avec quelqu'un. Quoique, ça me fait ultra mal aux yeux, là, la neige, hein, vraiment, c'est hardcore. Ah ouais? Ok, oui. Bon, bah, vas-y, on reste dans ton jardin. Ouais, mon jardin est bien sombre. Bon, pire, ce qu'on fait, ouais, attends, est-ce qu'il y a les trucs ici? Ah oui, regarde, y a Toto qui est en train de regarder un film là. Ok, ah ouais, y'a Toto là. Bah là, vite, normalement, sont teintés les abonnés, c'est-à-dire que lui, il ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur, à part s'il s'approche vraiment des fenêtres. Donc là, à mon avis, d'ici, il ne voit même pas regarder. En plus, il est vraiment concentré sur la télé. Attendez, je vais écouter ce qu'il est en train d'écouter là. Ok. Qu'est-ce qu'il écoute? Bon, je sais pas ce qu'il écoute, les abonnés, je crois que c'est un truc avec des princesses, etc. Bon, voilà. C'est Toto qui regarde ça. Bon, t'as le cadeau, il faut quoi comme. Ah, c'est quoi ça? Bah, il faut deux douches, enfin deux cabines de douche à Skip. Oh, stylé, wesh. Okay. J'avais pas pensé. Ensuite, est-ce qu'il faut pas des demi-dalles? Ouais, dalles et tuyaux. Ok, alors, dalles, voilà. Bon, j'ai l'impression, les abonnés, que c'est tout le temps la même machine avec Rick. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu différent. Ouais, il y a plein de blocs invisibles ici. Tac. Hop, sorti. Ouais, il y a vraiment plein de blocs invisibles. Je sais pas qu'est-ce que vous avez foutu. Je ne sais pas non plus, moi, je suis très cher à Waris. Les abonnés, je sais pas qu'est-ce qu'ils font sur la map, en tout cas, quand je ne suis pas là. À mon avis, ça doit être pas des trucs super ouf. Hein, parce que vraiment, il y a des alors. Blocs. Alors. Nickel. Le frérot Rick, il nous a dit de faire ça. Ah oui, mais c'est des demi-dalles. Ouais, c'est des demi-dalles, c'est des demi-dalles. Tac, alors. Ok, donc là, on a les deux machines, les abonnés. Est-ce qu'on peut mettre des portes devant? Tac, tu peux sans doute mettre des portes, en effet. Je vais essayer, attends. Ceci est fort, fort probable si tu te mets à l'intérieur, non, voilà. Si tu te mets à l'intérieur. Ah, et comme ça, les abonnés, là, on ferme, tac, et boum, c'est la transformation. Petite cabine, là. Bon, on va pas le faire là tout de suite parce que. T'as capté? Bah, surtout qu'il faut simplement qu'on mette, bien sûr, les abonnés, un petit générateur ici. Donc, le générateur qui est tout là-bas, je crois. Il est où? Je crois que c'est ici, les abonnés. Hop. Je crois que c'est là. Voilà. C'est ce truc, les abonnés, voilà. Regardez, hop, on le pose ici. Là, il y a plein de couleurs. C'est simplement des boutons, on pourra appuyer dessus. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est. Est-ce que tu peux relier un tuyau avec ça, là? Oui, j'ai peur. Je peux montrer ça à Waris. Je peux. Alors, attends. Vas-y, relis pour l'instant. Moi, je vais prendre un panneau. Tac. Les abonnés, ce qu'on va faire, c'est que pour capter bien le signal, on va mettre une antenne juste ici. Voilà, regardez les abonnés. L'antenne est énorme, mais au moins, on va pouvoir capter simplement l'énergie du Dark Sirenet pour pouvoir se transformer en lui. Du coup, hop, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est. Ah là, l'énergie du Dark Sirenet, on va la capter. T'inquiète pas. Hein. Ah bah là, avec l'antenne qu'on a mis au-dessus, mon petit. C'est l'antenne 5G qu'on a mis là. C'est à peu près la même antenne, je crois, que chez Carlos, il me semble. Ouais, à peu près. Donc là, on va mettre un panneau, les abonnés. On va mettre simplement Dark Sirenhead vu qu'on va se transformer en Dark Sirenhead. Hop, Dark Sirenhead. Voilà, c'est parti. Voilà, Dark Sirenhead. Il nous faudrait un petit levier qu'on mettrait dessus. Donc, hop, levier, les abonnés. Un levier, Avery. C'est bon, j'en ai un. Tac, hop. Ah ouais, après, je vais te laisser, ok? Pourquoi tu vas faire quoi? Bah, je sais pas, j'ai des trucs à faire en vrai. Parce que si tu fais peur à ton fils tout seul, est-ce que tu veux vraiment que je reste? J'avoue que ça servira à rien. À part si t'as envie de rigoler, tu te mettras en invisible. Je sais pas, à toi de voir. En tout cas, j'ai besoin de toi juste pour que t'actives le bouton. Ouais, vas-y, t'inquiète pas. Les abonnés, hop, je rentre dedans. Du coup, c'est tout prêt, t'as le cadeau, t'as tout bien relié et tout. Ouais, c'est bon, moi. Ok, les abonnés, c'est parti. Je vais enlever ce que j'ai dans l'inventaire. Bon, bah, du coup, t'as le cadeau. Je te propose de pouvoir simplement appuyer sur 3, le levier pour la transformation. 1. C'est parti! Oh, les abonnés, attention, ça bouge, à vous, les abonnés, je suis en train de me transformer! Oh, ok, du coup, les abonnés! Oh, j'ai la main toute bleue, je crois que je suis en Dark Sirenhead! Hey, t'as le cadeau! Ça a marché ou pas? Ça a marché, à vrai raison, les abonnés! Est-ce que vous êtes prêts à simplement découvrir comment je suis? Donc, attention, vous allez voir ça dans quelques secondes, les abonnés, attention, 1, 2, 3,
Et regardez, je suis devenu un Dark Serenade des abonnés. Franchement, c'est plutôt stylé le déguisement de Dark Serenade. J'ai l'impression d'être vraiment un vrai Dark Serenade. Qu'est-ce que t'es en train de faire, t'as le cadeau? J'ai changé le panneau, j'ai mis Awariz. Comme ça, quand tu vas te transformer, bah tu te retransformeras en Awariz. Bah, ce que je crois, c'est que je demanderai à Toto de simplement d'activer le bouton quand je serai dedans. J'espère qu'il va pas faire n'importe quoi. Hein. Bon, je pense que c'est bon, je vais aller faire peur à Toto. Tu veux rester, t'as le cadeau ou tu veux partir? Vas-y, je vais voir vite fait, je vais espionner dès que t'as. Ok, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais sonner devant la maison, ça sera plus drôle. Comme ça, il va ouvrir. Normalement, déjà, il a pour obligation de ne pas ouvrir aux inconnus, aux abonnés. Donc après, s'il voit Dark Serenade, je pense qu'il va avoir peur. Donc c'est parti, on va sonner les abonnés. Hop. Ok. Est-ce que qui sonne? C'est papa, c'est papa. Oh papa, t'es déjà revenu, t'as acheté à manger. Salut, papa, c'est moi, Dark Serenade. Allez, viens ici, Toto. Ok, les abonnés. Il est pas là, ton père. Allez, c'est parti. Bon, les abonnés, regardez. Toto, il est en train de s'enfuir, les abonnés. Allez, viens ici, c'est moi, Dark Serenade. Ok, bon, les abonnés, je suis vraiment grand en Dark Serenade. Du coup, je me prends tous les murs vu que la maison est assez basse. Il est parti où? Il est parti où, les abonnés? Je sais pas si vous l'avez vu, moi, je l'ai pas vu. Attendez. Il est où? Il a pas les abonnés, regardez, il va chez Talcado, lui, vite. Eh, viens ici, reviens ici. Reviens ici tout de suite. Je suis derrière toi, attention. Ok, les abonnés, regardez Toto. Je fais pas le match, tu vois, on peut devenir amis. Attends, t'as dit quoi là? Tu vois, on peut devenir amis, je dirais rien là, papa. Les abonnés, il veut devenir ami avec Dark Serenade, c'est un fou. Oui, mais ton père, il est d'accord. Je dirais rien, je dirais rien, me fais pas de mal, s'il te plaît. Bon, je sais pas si je vais te faire du mal. Les abonnés, on va prendre un couteau tout de suite. Alors attention, hop, couteau, tac, c'est parti. Dans les mains, une petite machette, attention. Est-ce que tu me donneras des bonbons? Oui, je te donnerai tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Est-ce que tu me donneras ta PS5 que tu vas avoir pour Noël? Ça c'est encore à discuter. Ok, bah pour l'instant, je vais venir te chercher. Ok, les abonnés, c'est parti. T'as dit quoi? Je sais pas, je vais réfléchir pour un PS5. Ok, les abonnés, vite, on va vite le chercher, les abonnés. Il a dit qu'il allait réfléchir. Non, je crois qu'il va se cacher au grenier. Oh, il est où? Oh, il s'est caché au grenier, les abonnés. Oh non, il s'est caché au grenier. Du coup, c'est parti, on va sortir dehors, les abonnés. Tout simplement. J'ai trouvé ça dans la chambre de papa. Oh. Non, c'est bon. Toto, c'est moi, papa. Je suis déguisé. Je te crois pas. Pose-moi une question que je suis le seul à savoir. Tu t'appelles comment? Bah, Wariz. Bah, c'est bon, c'est toi. Bon, les abonnés, la question était un peu facile. Dark Serenade aurait pu répondre à ma place. Hein. Bon, attends, bah viens dans le jardin, je vais t'expliquer. Hop, c'est parti, les abonnés. Bon, du coup, mon fils, c'est bon, on lui a fait assez peur. Garde un œil sur toi quand même. T'as dit quoi, Toto? Garde un œil sur toi quand même. Ouais, bah fais attention avec l'arme parce qu'on sait jamais, l'arme elle est chargée. Donc, si tu tires avec, regarde. Là, on a une énorme machine simplement avec une grosse antenne comme Carlos. Et donc, là, en fait, je me suis mis ici. Hop, j'étais en Awariz et là simplement Talcado il est venu m'aider à construire la machine et quand j'appuie sur le levier je me suis transformé tout simplement en Dark Serenade. Je vois. Tu me crois? On va faire le truc dans le sens inverse et là je te croirais peut-être. Bah non, parce que justement j'ai envie de simplement de rester en Dark Serenade pendant une journée je pense. Je vais essayer de faire peur à tout le village etc, à quelques personnes et tout. Mais bon, après les abonnés bien sûr, je vais pas vous montrer tout ça parce que ça va être un peu chiant pour vous. Moi je vais juste m'amuser de mon côté. Bien sûr si simplement vous voulez que je vous montre quand j'ai fait peur aux personnes, simplement je pourrais le mettre en fin d'une vidéo etc dans les prochaines vidéos. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez simplement avoir une suite les abonnés. Ce qu'on va faire c'est que si vous mettez simplement 3500 pouces bleus sous cette vidéo, et bien ce que je ferai c'est que je vous filmerai quand je fais peur à toute la ville, c'est à dire je fais peur à Gus, à Rick. Bah du coup Rick il est bête donc il sait même pas que ce serait moi qui serait déguisé. Il va hésiter entre le vrai Dark Serenade. Et même je pourrais troller les abonnés le Dark Serenade. Ah bah non il est mort. Les abonnés il est mort. Mais je pourrais troller simplement Trainiteur en étant transformé en Dark Serenade. Je pense que la machine je vais la garder pendant une petite semaine. Comme ça si vous voulez des vidéos comme ça, dites moi dans les commentaires. Et y'a pas de soucis, j'en ferai. En tout cas, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toto, ça va, t'as pas eu trop peur? Il est où? Ah, il est là. Hein? T'as pas eu trop peur? Je te boude. Tu me boudes? Ok, mes abonnés, ils boudent. Bon, bah, s'il continue à bouder comme ça, il aura pas de PS5, les abonnés. Moi, je vous le dis direct. Hein. Bon. Je te boude plus. Ah, tu boudes plus, c'est bon. Ok, bon, du coup, en tout cas, les abonnés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, le City Spring est dans la description pour acheter des t-shirts. Si vous voulez d'autres vidéos, vous me le dites dans les commentaires. Vous me dites ce que vous voulez précisément. J'espère que vous aussi, vous n'avez pas eu trop peur. Parce que regardez, j'ai une tête de Dark Serenade. Ça fait un peu flipper, les abonnés. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Awariz Toto. Ciao tout le monde.